Avez-vous déjà été demandé pour tourner dans un film X? 1, 2... Petit message important les amis, ce soir c'est le dernier live No Limit du confinement et ce sera avec Juju qui revient. 23h sur mon Instagram, je compte sur vous évidemment si vous avez au moins 18 ans. Mais je suppose que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est le cas, pas vrai? Bonne vidéo. Préviens mamie qu'on va faire un concert. Je l'ai même pas tagué à la base, je sais même pas si c'était quoi ce concert. Ouais non, moi c'est bon. Attends, refais un peu parce que je peux gratter les c***. Je te jure, vas-y. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mes frères. Oui les amis, vous m'avez beaucoup demandé, vous aviez adoré la première, vous avez adoré la deuxième. Je reçois que des messages, ramène tes frères, c'est bon. Je les re-ramène, ils seront là les amis. Peut-être pour la dernière fois. Ah, je... Selon ce qui va se passer dans cette vidéo. Attends, quand je dis, je vais lâcher un pet là. Attends. Les amis, comment vous voulez que je fasse une vidéo avec eux? Regardez-moi ça. Ça va, plus personne n'a envie de chier, de péter, tout va bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Attends, il se passe quoi? Mon collier a chopé. Ah, prends-le, c'est le tien. Ah, regardez, quand la fouille s'est baissée pour toucher les meubles de Darko, il s'est pris de chewing-gum. Mais je suis fatigué, on peut pas tourner, regardez, on peut pas tourner avec ces... Allez. Donc les amis, comme je disais, vous aviez adoré le jet déjà, je n'ai jamais qu'on avait fait. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire une partie 2, parce que oui, on en a fait des choses, il s'en est passé des choses dans notre vie. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous avoir demandé lequel est le plus grand, lequel est le plus âgé, pardon, lequel est le plus jeune. Chaque fois, on me dit t'es le plus vieux, non? Et ben voilà, c'est le plus jeune. Le moyen, c'est Zgatko. Le quel âge? Bah, 25. Et le plus âgé, c'est moi, les amis, voilà. 32. 36. La roue de la fortune. Parce qu'il dit 36, il... Pourquoi il dit ça? Attends, quoi? Mais non, mais parce qu'il a la roue de la fortune, il a dit 36, on dirait, on faisait le juste prix. Ouais, juste prix, je voulais dire. Je vous ai dit évidemment de me poser des j'ai déjà, j'ai jamais sur Instagram. Et évidemment, je vous dis la vérité, 99% c'est du cul. Voilà, autant vous le dire. On s'y attend avec cette vidéo. Avec cette communauté surtout. Bande de coquins. Avez-vous déjà fait l'amour en public? Genre avion, resto ou autre? Ah vous aussi? Mais honnêtement sans surprise. Pourquoi? Bah, toi déjà t'es resté 10 ans en couple. Toi alors toi ça m'étonne pas du tout. Quoi? Moi? Un endroit. Moi de plusieurs, mais... C'est quoi l'endroit le plus insolite? Je sais pas, j'ai fait aussi dans un club libertin. Quoi? Je me suis rendu sur place et le mec il m'a dit il faut rentrer en chaussures de ville. Du coup moi j'avais des baskets et je suis retourné à l'appart. J'ai mis des chaussures de ville de Marianne. De notre beau-père. De mon beau-père. Du coup je suis reparti là-bas. Et après j'ai payé 50€ et j'ai fini avec la barmaid. Pendant que son boss il prenait le relais parce qu'il y avait que des couples, elle a vu que j'étais timide. Mais c'est fou cette histoire quand même. Genre on en parle pas assez du fait que ce soit vraiment fou là, ce qu'il vient de raconter. Non mais alors, moi vraiment comparé à lui Mais attends, c'était quoi la question? Je sais même pas pourquoi il a dit parler de couple libertin. On parlait pas du tout de ça, le gars il a sorti ça. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir de faire des choses sexuelles dans un cinéma, pas de coucher dans un cinéma mais faire des choses sexuelles. Bah moi vous le savez déjà, j'ai déjà fait dans un cinéma, au zoo, dans la rue, et j'ai fait une fois dans le train. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un endroit public J'ai pas fait. T'as rien fait. J'avoue, de la rue, le train, resto, avion, la plage, non mais j'avais fait. En fait j'ai tout envie de bloquer. Non mais là en l'occurrence c'est une espèce de, vous savez, de robe volante là, tu vois, j'ai ces grandes robes comme ça que tu peux soulever en 2 secondes et on s'est dit que ça pouvait être sympa et voilà. C'est qu'elle nous regarde. C'est qui? Je pense pas qu'elle nous regarde. Ah merde, c'est le mec. Coupez, coupez. Je pense pas qu'elle nous regarde. On fait celui-là ou quoi? Non. Si, moi j'étais sous apnée, on peut le faire. Mais si, bouge des bouts de métro. Et les amis, ça gars est très grave. Mais il vient de me dire qu'il veut la faire. Fais un cunnilingus qui a tourné mal. Voilà.
Non mais faut dire ce qui est, moi quand j'avais 17 ans, je suis allé chez une fille, je lui faisais un cuni. Et pendant le cuni, ça sentait la bouche d'égout du métro parisien quand tu rentres le matin, tu sais, pour aller au travail. Oh, et j'ai jamais osé lui dire, donc elle a jamais su. Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes de Darko. Moi ça m'est déjà arrivé une fois de commencer à faire un rapport oral, voilà. Et d'un coup, je me dis ça a quand même un petit goût bizarre. Ça avait un petit goût de sang. Elle avait ses règles. Voilà, elle avait ses règles. Ah, ça pour toi ton émo. T'as vu quoi ça, monsieur Kiff, monsieur Kiff, monsieur est un vampire. S'être déjà bagarré pour une fille. Alors moi mes anecdotes sont pas forcément drôles, mais ça m'est déjà arrivé dans les bars, dans la rue, etc. De... Attends, tu dis ça comme si okay, il se bagarre tout le temps, dans les bars, dans les rues, etc. Je suis quelqu'un de très impulsif, je déteste l'injustice. Si je vois directement quelqu'un qui emmerde une meuf, ça part très vite. Moi ça m'est déjà arrivé, les amis, une fois, j'ai... Rien que d'y penser, j'ai un peu honte. J'étais très jeune, j'avais genre 18 ans, et j'étais, pour ceux qui connaissent, en Corrèze, au Lonzac. Il y avait un mec qui sortait de boîte, qui est totalement bourré, et qui passe, et genre il me met une gifle, genre je connaissais même pas. Du coup, je vais taper. Attends, t'as un style, excuse-moi. Hein, franchement, je suis pas du tout. Attends, un autre style. Mais là, voilà, je suis. Par contre, je te jure. Ça va, vous ah, non, mais attends. Anecdote. Oui, non, mais par contre, il y a un truc, je te jure, que je t'ai jamais dit, mais c'est vrai, regarde, quand tu regardes tes vidéos YouTube, quand tu zoomes là, je te jure, regarde, t'enlèves jamais tes poils du pif. Non, non, mais c'est vrai, regarde, tout à l'heure, moi j'ai rasé. Mais lui, regarde, faut clasher. Regarde, à vous, à vous. Tu te mets. Non, je te jure, ça va, ça va. Tu te mets. Bon bref, et en fait je suis rentré chez moi après, j'avais bu, j'étais bourré, et je sais pas pourquoi. Et en fait il y avait un peu de son sang sur mon t-shirt. J'ai pris en photo, et j'ai envoyé à ma copine, je lui ai dit, je me suis battu pour ton honneur. Ok d'accord, ah ouais. Est-ce que tu te souviens de sa réponse? Ouais, je crois que c'était deux points d'interrogation. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça doit être un peu le côté serbe, un peu ouais, bizarre. Déjà pleuré pour une meuf. Les amis, ça a déjà tous fait quitter, je crois. Terminé. Ah, même des durs à cuire. Fantasmer sur un de mes profs. J'aime pas du tout ce sourire. J'aime pas du tout ce truc. 1, 2, 3. Okay. Alors moi c'était en 5ème, ma prof de français, je me suis absenté, j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Sauf que je suis pas allé dans les toilettes des mecs. Et en fait j'ai attendu. Raconte là de nous avoir un mot. En fait je suis rentré dans les toilettes des filles et j'ai fait exprès de rester longtemps. Et en fait j'attendais qu'elles viennent pour que puissent me regarder si jamais. Non mais vas-y, juste un psychopathe d'art quoi. Mais t'espérais qu'elle fasse quoi dans les toilettes? Non je sais pas, genre qu'elle dit Géco, je dis oui. Chine de boule. Moi j'ai une anecdote très drôle. À l'école primaire, j'étais tombé amoureux de ma prof de CE1 qui s'appelait Isabelle. Et en troisième, j'ai rencontré un pote dans un cyber, je jouais beaucoup aux jeux vidéo avec lui. Et un jour on a décidé de jouer aux jeux vidéo chez lui. En allant chez lui, je vois des tableaux de lui et sa famille. Je vois Isabelle. Et donc je lui demande comment elle s'appelle sa mère, elle me dit Isabelle. Puis il me dit qu'elle est prof dans une école primaire. Et ça m'a fait ultra bizarre. Et j'espère vraiment que ce mec là ne regardera pas la vidéo parce qu'il le sait pas. Mais j'étais fou amoureux de ta mère. Moi, oui, moi c'était rapide, hein, mais c'était en école de commerce. Moi, je crois que c'était ma prof, je sais plus trop, de marketing digital ou un truc comme ça. J'aimais bien, elle m'attirait, et le truc c'est qu'elle était enceinte. Voilà. Même moissonnier, si vous passez par là. Avez-vous déjà été demandé pour tourner dans un film X? 1, 2, 3. J'avoue, bah oui. Il y a plus de surprise maintenant, hein, j'ai l'impression. Mes potes, ils m'en ont toujours parlé, ils m'ont dit lance-toi dedans. Donc un jour, je me suis dit pourquoi pas, j'ai envoyé un mail à une agence pornographique et ils m'ont répondu, je les ai eu au téléphone. Il m'a même dit que c'était, par contre, faut faire attention parce que sur le tournage, il y a le caméraman, il y a le mec qui... Enfin, il y a plein de trucs derrière. Et moi, j'ai dit, mais y a pas de souci, ramenez tout le monde. Et je n'ai pas été parce que j'avais une migraine, un mal de crâne vers 5h du matin. Et le mec m'a rappelé en me disant que je serais jamais acteur porno. Que je peux oublier cette carrière, que j'étais pas professionnel. Depuis t'as toujours envie ou... Depuis j'ai toujours envie mais j'ai jamais envoyé quelque chose. Et moi j'ai reçu il y a pas longtemps des jouets d'Orsay. Donc d'Orsay si vous passez par là, voilà, vous savez qui contacter. Déjà parlé dans mon sommeil.
Je lève la main, mais j'ai pas d'anecdote à raconter. Les amis, en fait, il le fait plus. Mais pendant toute sa jeunesse, en fait, vraiment, il faisait des vraies terreurs nocturnes. J'ai dormi dans la même chambre que Gégo, en fait, pendant toutes ces années de terreurs nocturnes. En fait, il se lève en panique, mais en pleurant de ouf, donc forcément, ça te réveille. Vraiment, c'est comme s'il était réveillé. C'est, il vous regarde, il vous parle, il pleure, il a peur. Et en fait, à chaque fois qu'il faisait ses terreurs nocturnes, t'avais toujours l'impression qu'il pensait dans sa tête que tout le monde lui voulait du mal. Plein de fois il m'a fait des coups où vraiment moi j'avais une chambre à côté, donc j'étais en train de jouer aux jeux vidéo sur ordinateur, et lui ce qu'il faisait c'est qu'il venait, la porte elle s'ouvrait, donc moi je vois la porte qui s'ouvre, mais vous savez il y a le couloir, il fait noir. Je comprends pas qui c'est. Je dis ouais, c'est qui? Personne répond. De là, je suis là comme ça et je vois un mec qui est debout comme ça devant ma porte. Et là, d'un coup, j'entends comme s'il pleurait ou trop bizarre. Je me dis, oh, il y a quelqu'un qui pleure dans le couloir, dans le noir. Et je vois Jeiko et il fait, oh, non, Darko, non, 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 arrête, arrête. Et les amis, je vais regarder, je fais, Jeiko, qu'est-ce qui se passe? Arrête, arrête. La finalité, c'est qu'en fait, on arrivait à le calmer quand on arrivait à s'approcher de lui physiquement. Et une fois que tu le prenais fort dans tes bras et tu faisais un gros câlin pour le calmer, tu lui parlais trop tranquillement, il se calmait et il partait vers son lit en silence et il se rendormait comme ça. Ouais. Et le lendemain, et il se souvenait de plus rien. Je me souviens de rien, vraiment. Je sais pas si vous connaissez des gens qui ont déjà eu ça, mais du coup, j'ai commencé à s'arrêter maintenant, je sais pas pourquoi. J'ai plus ça. Mais impressionnant, vraiment, on aurait dit film d'horreur, l'exorcisme. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, ça nous a fait kiffer les amis. J'espère que ma petite sœur a pas regardé cette vidéo, j'espère que maman n'est pas là. J'espère que mon pote non plus. Merci infiniment d'avoir été là, d'être avec nous tout le temps, de kiffer nos vidéos, de kiffer ce qu'on fait. Si vous voulez d'autres vidéos avec mes frères, n'hésitez pas, pouce bleu. N'hésitez pas à les suivre parce qu'ils sont très beaux gosses et très drôles. À dimanche prochain et n'oubliez pas, restons professionnels. Salut tout le monde. Wouh. Et lui il est mort hein, dans la vidéo. Oh non putain.